Il n'existe pas de gouvernement sans loi. Ça serait le chaos, le désordre. Avant de continuer, je vous invite à prier. Je vais faire une courte prière pour vous Prions. Seigneur, maintenant, ici, devant cette église, devant toi, on a besoin d'attendre un message parce que nous avons besoin de spirituel et nous voulons que tu nous parles ce matin par ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Et aide-nous à faire de cette liberté la bonne chose, de prendre les bons choix et de faire de bonnes décisions pour toi et pour l'éternité. Accorde-nous ta grâce et ton Saint-Esprit abondamment ce matin. Nous te prions ensemble dans le puissant nom de Jésus. Amen. Dieu a créé l'homme en pleine liberté et dans une très très bonne place. Je voulais lire, je voulais vous partager une citation de Patriarche et Prophète, et ça dit comme ça. L'une des conditions indispensables de l'insistance de l'homme était sa qualité de sujet à l'obéissance ou loi de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de transgresser la loi de Dieu. J'aurais été capable de créer un homme qui va juste obéir, mais prêtez oreille à la suite. Le créateur aurait pu empêcher sa main de toucher au fruit défendu. Privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Adam n'aurait pas pu former un caractère. D'ailleurs, ce système était au contraire aux voix de Dieu et à l'égard des habitants de ce autre monde. Et ce mode d'existence indigne d'un être intelligent. Ou fortifier les accusations arbitraires lancées par Satan. Des fois, on se pose la question pourquoi notre premier parent a mangé la pomme Pourquoi on a tombé dans le péché C'est simple, c'est parce que Dieu nous donne la liberté. Et aujourd'hui, aujourd ça n'est pas différent, c'est la même chose. On se pose la question pourquoi il y a la maladie Pourquoi il y a la guerre Et ça, c'est la même question. Parce que Dieu nous a donné la liberté, mais malheureusement, l'homme ne fait pas le bon choix avec cette liberté. Mais en plus, on doit réfléchir plus profondément, comme on a dit dans Jacques. On doit apprendre à savoir qu'on va être un jour jugé. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Je ne vais pas juger des esclaves. Je va juger des gens qui ont pris leur liberté pour choisir, pour agir, pour décider, pour faire des petites choses et des grandes choses dans la vie. Des grands, des enfants, des riches, des pauvres. On va tous juger. Des fois, on pense que cette liberté, ce n'est pas assez grande parce qu'on dit, bah, malheureusement, je ne peux pas faire ce que je voulais parce que je n'ai pas d'argent ou je n'ai pas l'âge suffisant, mais parents n'y me pas, mais non. On a la liberté et on est obligé par rien. Et une chose simple, c'est qu'on euh, pourrait parler de la réglementation, de la circulation. Beaucoup de gens ils ont un permis de conduite. Puis, des fois, on voit la lumière et on voit qu'il n'y a pas de voiture. Ça donne comme envie de, de passer parce que, finalement, on pourrait, on pourrait simplement gagner un petit peu de temps et on ne va pas mettre personne en péril parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais il y a une loi. S'il si y a une police qui te voit, ça va coûter cher. Et ça va élever des points. Ça va avoir des problèmes. Mais vous êtes libre, vous pourrez... Pas respecter la lumière, ça ne va être pas être trop grave. Oui, ça va être trop grave. Parce que ça peut arriver même la mort. Cette liberté que Dieu nous a donnée, c'est aussi grand, c'est aussi fort, c'est aussi belle que nous pouvons apprendre à plus l'apprécier. Puis Dieu, dans sa sagesse, il savait que l'homme, il va faire les mauvais choix. Mais Dieu, il avait déjà pour vous, pour cette situation. Puis les affaires que nous trouvons aujourd'hui difficiles, Dieu les avait déjà euh, prévues à l'avance. Puis ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est un message d'espérance, c'est un message d'espoir. C'est comprendre que malgré le chaos que nous vivons dans notre monde, peut-être dans notre vie aussi, dans l'Église, c'est à cause que la liberté que Dieu nous donne nous permet de faire des bons et des mauvais choix. Mais soyons patients. Dieu est au contrôle. Vous savez, vous trompez dans une mauvaise décision. On est là à l'Église pour demander pardon. On a un Dieu qui nous a créé libres. Mais vous savez aussi, on a perdu cette liberté. On a perdu notre liberté parce que notre parent, et nous aussi, notre premier parent, on fait les mauvais choix, et nous aussi, nous faisons les mauvais choix. Y eso es el pecado que llega, eso es el malor, eso es la de, desobediencia, es la manga de Joa, eso puede ser la maladie, plena de consecuencias. Pero Dios ha recetado nuestra libertad. Pero también tenemos que recordar que, por Dios, recetar nuestra libertad, sale a costar, sale a costar muy, muy caro. Yo les invito a abrir vuestras Bibles conmigo en el Nuevo Testamento. Dans l'Épître ou Galate, chapitre 3, 3 pardon, verset 13. Galate, chapitre 3, verset 13. J'espère me, me faire bien comprendre, parce que c'est tout évident, je ne suis pas francophone. Puis, des fois, ça échappe mes mots et, et l'accent. Mais soyez patient. Galate 3, verset 13. Ça dit, Christ nous a rachetés... De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ça ne veut dire pas dire que la loi c'est une malédiction, ça est devenu une malédiction à cause de nous parce que on a désobéi, on a transgressé la loi de Dieu. Mais aussi, il y a une chose que ça me touche et ça me frappe beaucoup parce que l'apôtre Paul va nous dire étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, nous ce qui est de. Qui est fendu sur un bois, c'est lui qui est crucifié. Oui, Jésus est venu malédiction. Des fois, nous pouvons lire ça, ça paraît si, oui, mais ça c'est grand. Parce qu'il faut nous rappeler que ça c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Créateur de l'Univers. Il va s'humilier d'une façon qu'il va devenir une, une malédiction. Il va être traité comme un méchant. Il va être traité comme le pire des pécheurs. Mais lui était innocent, lui était pur. Mais il le faisait par une façon, par amour et pour racheter notre liberté. Une liberté que Dieu nous a, nous a, nous a donnée tout au début et qui nous la donne aujourd'hui, mais que nous avons euh, choisi de la rejeter. Nous avons, nous avons fait un mauvais choix, puis des fois il y a des gens qui disent, disent euh, c'est de quoi que Dieu va me libérer De quoi De toi-même De quoi De tes mauvaises pensées, de tes mauvais sentiments, de la manque de pardon pour les autres. Qui détruit ta vie et détruit aussi la vie des autres. On, on a besoin de la liberté de nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable de faire les bons choix. On n'est pas capable de faire de bonnes décisions. Mais Dieu, il va nous inviter et il nous fait cet appel, cette invitation pour avoir une vie différente. Il y a une chose que c'est très difficile et très rare dans notre monde c'est la paix intérieure. Cette paix qui va nous faire reposer en bref. Paix. Cette paix qui va nous enlever la préoccupation pour les choses matérielles. Cette paix que seulement on peut la trouver en Dieu. Je partage avec vous à nos citations, il dit comme ça La invitation de Christ est un appel à la paix et au repos, à un vie de liberté et d'amour. Et elle nous promet un riche héritage, la vie éternelle. Des fois, nous, nous oublions que nous avons la vie éternelle. Et on dit, mais ça veut dire quoi la vie éternelle Si on connaît juste la mort, on connaît juste la guerre, on connaît juste la maladie, euh, on ne vit pas grand, longtemps. On ne connaît pas une personne euh, qui va arriver à 150 années de vie. On ne connaît pas une personne qui va avoir moins de 200 ans ou plus. On connaît juste la mort, on connaît juste la maladie. On connaît plus de gens qui vont décéder tous les jours, 4 ans, 10 ans, 5 ans. Ça, c'est triste. C'est ça, la vérité que nous connaissons. Mais Dieu nous offre la vie éternelle. Et je vous dis une chose, la vie éternelle, on commence à la vivre tout de suite, maintenant, avec l'espoir, avec la joie, à avoir une vision humaine, De este ciel, de esta nueva terre que Dios nos ofrece. C'est eso que Dios nos ofrece. Un héritage rico, un héritage pour la eternidad, un héritage que nous podemos comenzar a posséder de hoy ¿De qué manera? En laissando Dios agir dans nous. en nous. En rappelant que Dios ha racheté esta libertad que nous avons perdido. y que es el péché que viene a volar nuestra libertad. Porque, como vous le dit, On besoin, besoin de libérer de nous-mêmes, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises désirs, du péché qui nous fait devenir esclaves de nous-mêmes, de la nourriture. La nourriture, c'est une bonne chose, c'est pour la santé, c'est pour la vie. Mais pour beaucoup, ça devient problématique parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler leur appétit et ils ne sont pas capables de choisir la bonne nourriture. Nous avons. Aussi, le soleil, nous avons aussi le plein air, mais beaucoup de nous, on est périssus, on ne voulait pas faire d'exercice, malgré qu'on connaît tous les bénéfices. On a besoin de libérer de tout ça, mes amis. Mais c'est pour ça que nous avons un Dieu si grand, si puissant, qui peut nous délivrer. Je vous continue à lire la citation. « Ne nous alarmons pas si le sentier de la liberté passe par des conflits et des souffrances. » Ne pensez pas qu'on va être libre de la souffrance et de la difficulté parce que nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous avons accepté le Dieu Tout-Puissant. Non, il s'arrête du chemin à faire et on doit travailler fort. Il va avoir la souffrance, il va avoir des sacrifices à faire. Les, les sacrifices, ou ce qu'ils nous auront consentis, ne lui donneront pas plus de valeur? Oui, bien sûr. Quand on, a, quand on travaille au Grand Terre, puis on va faire l'exercice physique, puis on va avoir faim au moment de manger et de boire, ah, qu'on va les profiter. La souffrance, c'est parfois une chose, c'est un outil que Dieu permet pour nous aider à comprendre que c'est juste en lui que nous pouvons trouver la vraie joie, que nous pouvons trouver la paix, que nous pouvons trouver cette c'est joie que nous cherchons et qu'on ne pouvait pas la trouver ailleurs. Nous obtenions la paix qui surpasse toute connaissance, qui, après avoir livré bien des batailles contre la puissance des ténèbres, luttait péniblement contre notre égoïsme et nos péchés secrets. C'est là qu'on va apprendre qu'on n'est pas capable de gagner cette liberté et on va reconnaître effectivement oui, ça c'est Dieu. Qui a racheté la liberté pour moi. Parce qu'on est devenu esclaves de ce péché, de ce maudit péché, ou on pouvait dire comme ça, parce qu'on ne voulait pas le faire, mais finalement, non, on le fait encore. Et, et ça fait mal parce qu'il va y avoir le remords dans nous consciences de savoir qu'on a un Dieu d'amour, que tout nous le donne, mais malgré ça, on est désobéissant. On n'est pas assez fort. On devient impatient. Et on va prononcer des nouvelles paroles, mais aux gens que nous aimons, euh, à nos conjoints, à nos enfants, à nos amis, à nos collègues de travail. Oui, ça c'est le péché qui détruit la paix. Ça c'est le péché qui vient tout déranger. C'est le péché qui, qui nous a qui nous montré comme quelque chose de, de bon à un moment donné, quelque chose qu'on pouvait profiter. Mais c'est juste la tromperie de Satan pour voler notre paix. pour nous faire euh, tomber dans le péché, pour nous faire tomber dans le remords de conscience, pour transgredir soit les lois de Dieu, les lois de la santé, pour avoir la maladie, pour enlever la paix de notre esprit, pour avoir pas cette d'autorité, de, de partager avec les autres. Comment est-ce que je peux partager avec un Dieu? Toute puissant, si je regarde ma vie, il s'est plein de faiblesses, je ne suis pas de patient, je n'ai pas de bon humor, je n'ai pas de la foi aujourd'hui. Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose de bon? Comment je pourrais partager de l'amour de Dieu? Comment je pourrais parler de la vie éternelle si je n'ai en pas envie de vivre la vie aujourd'hui? C'est difficile, mes frères. Nous avons tout un défi, mais il faut nous rappeler que nous avons un Dieu tout puissant. Je voulais aussi vous lire. Cet verset qu'on <coughs> peut trouver dans Esaïe 61, ans, que ça nous dit ⁇ L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les corps brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. ⁇ Oh, que c'est un message puissant. Oui, on est malheureux, mais il y a des bonnes nouvelles pour nous. C'est Jésus qui vient. C'est loin de l'éternel qui est venu nous sauver. C'est loin de l'éternel qui est venu ici pour faire une différence. On parlait dans l'école du euh, c'est quoi qui arrivait si, si Jésus aurait été né dans la richesse, dans l'abondance? Ça serait simple. Dieu avait un plan parfait pour la rédemption et ça a été la seule façon de, de faire. Parce que, vous savez, dans les conflits entre le bien et le mal, ça ne pas les choses qu'on voit dans la surface. Il y a plus de choses, vraiment assez profondes, qu'on qu ne comprend pas. Puis, ça ne fait pas longtemps que le pasteur Paul Escalier a pris sa retraite, mais la majorité entre nous, on a connu sa femme, et elle a mouru d'une maladie pénible, d'un cancer, et ça a été aussi vite et rapide. Puis on se demande pourquoi ça arrive, ces choses, ou gens qui ont donné sa vie pour les services à Dieu, qui ont essayé de mettre en règle leur par rapport à la loi de la santé, mais pour servir les choses, pour laisser beaucoup de choses qui peuvent être plus intéressantes. Mais pourquoi Dieu permet ça? Ça c'est simple, mes frères et mes sœurs, parce qu'on est dans un conflit cosmique. Ça s'appelle le conflit entre le bien et le mal. Vous savez, l'ennemi, il ne va avoir pas d'excuses, mais pas juste l'ennemi que c'est Satan, mais ça va être les autres humains aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire Ça sert à quoi être fidèle si vous tombez aussi dans un problème, vous êtes aussi endetté, vous pourrez tomber aussi dans maladie, vos enfants pouvez mourir. Oui, ça c'est vrai. Mais vous savez, les gens qui sont fidèles à Dieu dans la souffrance, Son siete demonios vivos que Dios ha podido regar. Esta persona también ha tenido una situación muy grave en su vida, la enfermedad. Pero Él ha hecho así para ser fiel. Él no nos ha dicho no, Él ha creado en mi promesa. Y yo le voy a dar la vida eterna. Eso hace la diferencia, mis hermanos y mis hermanas. Es por eso que la voz Paul nos ha dicho en Corintios, y me eh, gustaría que podamos buscar en Corintios 15, On va lire eh, le verset 19. Je me répète, 1 Corinthiens, verset 15, verset 19. Ça va être l'apôtre Paul qui est en train de parler au eh, Corinthien eh, <coughs> par rapport à la résurrection des morts. Il va avoir un discours assez intéressant. Il va parler beaucoup. Eh, de la, de la résurrection de Jésus, on va, je, je, commence, je vous invite à lire à partir du verset 17. Ça dit. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 17, on va lire jusqu'à 19. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vain. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est dans si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ah, mes frères et mes sœurs, si ça serait juste cette vie, ça serait fini. Ça ne vaut pas la peine de venir à l'Église, ça ne vaut pas la peine de croire en Dieu. Mais gloire à Dieu, Jésus n'a pas resté cloué dans la croix, il est ressuscité, il vit, il est au ciel, il est un sauveur vivant et puissant, il nous sauve cette vie éternelle. Ça souffrance, ça ne sert à rien, mes frères. Parce que quand on compare un vivre de 80 ou peut-être de 100 ans d'années, comparé avec l'éternité, ça c'est rien. Ça peut être même un vivre de souffrance, mais ça vaut la peine de vivre avec Dieu. Ça vaut la peine d'être fidèle à Dieu. Ça vaut la peine d'être fidèle à chaque chose qu'on doit être fidèle. À notre femme, à notre travail, à l'église, à nos amis, à tout ce qu'on doit être fidèle. Jésus l'a dit. Rendez au César ce qui est que du César et rendez à Dieu ce qui est de Dieu. On doit être honnête, on doit être transparent. Nous avons un grand espoir. Et c'est pas en vain. J'aime bien, et ça sont frappants ces paroles de Paul, si ça c'est juste pour cette ville que nous attendons, que nous croyons en Dieu, ça serait en vain. Ça servirait à rien. Mais c'est plus que cette vie, mes frères et mes sœurs. Soyons contents, soyons joyeux. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est pour ça que Dieu nous dit Je vous appelle à un, héritage, à un riche héritage, la vie éternelle. Et ça commence aujourd'hui avec cet espoir, en sachant qu'on n'est pas tout seul dans nos luttes, dans la souffrance. Et même si on doit endurer la souffrance pendant de longues années, ça ne sera pas comparé avec la joie que Dieu nous offre par l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, avec nos petits cerveaux, avec toutes les limitations que nous avons, on n'imagine pas, pas les bonnes choses que Dieu a pour nous. Ici, on n'est pas riche. On pourrait jamais avoir un million de dollars pour, pour payer un, un voyage, euh, pour, aller, pour regarder la lune, pour regarder la, la terre, dans tout cet appareil moderne et nouvel que l'on est en train de développer. Mais vous savez, nous avons plus de chance. Et c'est une chance sûre. Je, je me permets de dire chance, mais en réalité, ce n'est pas chance, c'est une promesse. De un jour, voyagez et touchez le soleil. Regardez les étoiles de proche. Demandez à Dieu, explique-moi le mystère des cellules, explique-moi le mystère de la gravité, n'importe quel mystère, Dieu va vous le révéler, lui-même, le créateur. Parce qu'aujourd'hui, on se bat pour euh, construire une batterie qui peut avoir autonomie pour euh, peut-être euh, 1000 ou 2000 kilomètres. Mais vous savez, Dieu a créé le soleil, et ça ne se pas. Il ne va pas s'éteindre, il est puissant, il est fort. C'est ce Créateur qui nous invite à vivre une éternité riche, en joie, en connaissance, en grandissant dans l'amour, dans la connaissance d'un Créateur tellement puissant que nous ne pouvons pas le décrire. Le langage n'est pas assez suffisant pour décrire la puissance de ce Dieu. Mais ce Dieu nous a donné la liberté, on l'a perdu, il a racheté cette liberté pour nous. Oh, mes amis, mes frères, ça c'est merveilleux. On n'arrive des fois pas à comprendre. Des fois, on ne prend pas le temps pour penser à ces choses parce qu'on est très occupé dans quoi Dans des affaires bien, dans des affaires banales parce qu'on voulait écouter la musique à nous. On voulait faire la, les, les petites choses à mon goût. Et on se laisse détourner des de choses importantes. Apprenons à laisser les choses importantes de côté et les prendre l'essentiel. C'est quoi l'essentiel La vie éternelle. L'essentiel, c'est ça qui nous permet d'avoir la joie dans la vie. L'essentiel, c'est ça qui nous permet de savoir « Je ne suis pas tout seul dans la souffrance, j'ai l'espoir. » L'essentiel, c'est avoir ce courage de parler à une personne qui a une maladie terminale et qu'on est capable d'arriver à avoir un message d'espoir parce qu'on a un Dieu créateur tout puissant. « mais Il peut te guérir, mais si il ne va pas te guérir, ça va être pour une raison. » Il y a toujours des raisons dans les choses que Dieu permet dans la vie. Ce n'est pas que Dieu voulait la souffrance, Dieu ne voulait pas la souffrance, mais dans ce conflit que nous avons, on ne peut pas arriver à tout comprendre parce que c'est tellement de souffrance, c'est tellement de douleur qu'on ne peut pas arriver à le comprendre. Mais une chose qu'on peut savoir, c'est que même s'il y, y a beaucoup de souffrance dans certains gens que l'on peut connaître, Jésus il a souffert plus, plus, plus beaucoup que ça. Et elle a racheté déjà notre paix. C'est pour ça que Isaïe nous dit, eh, je vais proclamer au captif la liberté. Au captif de quoi Au captif du péché. Parce que le péché, c'est quelque chose d'agressif qui nous enlève la vie éternelle, qui nous enlève la paix, qui nous enlève la joie. Vous savez, ici au Québec, le mariage, ce n'est pas quelque chose de fort, de solide. Parce que les gens, ils ne va pas se marier. Pourquoi ça, c'est le péché qui a venu enlever. C'est pour ça qu'il y a tant d'enfants de qui voulaient s'enlever la vie parce qu'ils ne trouvent pas de ça dans leur vie. Ses parents, ils ne sont pas enceintes. Ils se battent, ils se discutent pour des petites choses et des grandes choses. Tout c'est un problème. La vie, ça paraît d'avoir pas d'espoir. Ça, c'est le péché qui a venu voler la beauté du foyer, la beauté du mariage, avec de la pornographie, avec l'infidélité, avec plein de choses, mes amis. C'est pour ça que Dieu... Avez-nous proclamé cette année de liberté, cette année qui proclame la joie, qui proclame la délivrance aux prisonniers? On aime dire, on vit au Canada et on est en liberté, mais c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a un ennemi plus puissant, et ça s'appelle le péché, ça s'appelle Satan, qui vient voler la paix, nos valeurs, notre foi, l'envie de venir à l'Église. Des fois, on vient à l'Église juste par obligation, pas par volonté. Ça, c'est le péché. Parce que vous savez, ça, c'est l'ennemi qui travaille dans votre tête, dans vos disances. Ça vous parle peine, ça se perd votre temps. Pourquoi Parce que lui, il connaît le ciel. Il connaît les beautés du ciel. Il sait, c'est quoi cette joie Mais il est devenu tellement méchant que, vous savez ce que lui dit Si j'ai perdu ce joie, je vais travailler le plus fort pour que personne puisse l'avoir aussi. Parce que je l'ai perdu. Je ne voulais pas que d'autres puissent avoir cette à avec le Créateur et savoir que oui, ça c'est quelque chose de riche, ça c'est quelque chose de merveilleux. On ne peut pas l'imaginer comme je l'avais déjà dit. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu il nous a donné cette liberté au dévot et malgré qu'on l'a perdue, lui, il l'a rachetée pour nous. Et il a payé un prix aussi que nous ne pouvons pas imaginer la souffrance et la douleur de Dieu pour racheter cette liberté. Il y a plein de choses que je voulais partager avec vous autres, mais le temps commence à finir. Mais je voulais vous dire aussi que dans ce plan que Dieu a pour nous aider à trouver l'éternité, il y a un privilège que nous avons et c'est de participer à la mission. Cette mission que nous avons de partager l'évangile avec les autres. Je voulais que nous puissions lire la Grande Commission ensemble dans Matthieu 28. je sais que beaucoup d'entre vous vous la connaissez par cœur. Et on va lire Matthieu 28 à partir du verset 18. Pardon, à partir du verset 17. Il faut nous rappeler que c'est Jésus qui nous parle. Euh, Jésus avait déjà ressuscité, puis il va dire Jésus un approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce sont des paroles puissantes. Tout pouvoir. Parce que pour nous, déplacer quelque chose de puissant, comme notre voiture, si tout en panne, on n'est pas capable de faire. On a besoin de l'ail. Mais quand on parle de cette puissance, c'est cette puissance de tout. Parce qu'il dit, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Un pouvoir tellement grand qu'on ne peut pas... Nous imaginer, mais Dieu, dans sa sagesse, il nous a, il nous permet de participer avec lui dans ses projets, de, de refaire les choses d'une bonne façon. Il s'a dit aussi Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, des Fils ou du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Hay tellement de en esta tesis, porque como yo le dije, este poder, des fois, on pense que no n'est pas porque on se pose des questions. Pero la única forma de llegar al cielo es en essayant de sauver los otros. Vous estamos aquí en Canadá y conocemos el fraude nordique. Es difícil y es complicado. Y no es pas encourageante cuando tenemos tant de fraude. Hay una un, un historia breve que se ha aquí en Canadá. Il y avait des gens qui se promenaient dans un grand parc qu'on connaît ici, qui sont pas mal grands. Je dirais énorme, vraiment grands. Ils se sont perdus, il y avait une tempête de neige, il y avait quelqu'un qui était perdu, il était fatigué, il était épuisé, il n'avait pas envie de continuer à se battre avec la distance, avec le froid. Il, a, il avait envie de, de, de se laisser tomber et de mourir. Mais vous savez, dans son chemin, il avait trouvé quelqu'un qui était déjà... Il avait déjà tombé. Mais ça lui a donné envie de lui aider. Il a commencé à, à le massager, à, à le réanimer. Et effectivement, il a réussi. Mais vous savez, en faisant ça, lui, il a rentré en chaleur. Et il a augmenté l'effort de le prendre dans son dos. Il l'a apporté. Il l'a sauvé. Mes frères et mes sœurs, ça, c'est l'évangélisation. Quand nous prenons un accord, de développer un ministère pour les autres, Es ahí donde vamos a encontrar una razón para nuestra fe. Es ahí donde vamos a decir, tenía necesidad de la oración para mi ministerio. Tenía necesidad de un poder que no viene de mis talentos. Tenía necesidad de un poder vie que viene euh, de Dios para compartir estas buenas noticias con los otros. Tenía necesidad de poder para tener una vida consacrada a Dios porque, como digo, es fácil hablar, pero antes de hablar, debes pasar... Tu dois passer beaucoup de temps en prière, en étudiant la parole, pour avoir quoi dire, pour avoir quoi partager. Mais ça, ça ce n'est pas nos paroles. Ça, c'est la grâce du Saint-Esprit qui va parler plus fort dans les messages que nous aurons à partager avec les autres. Je aussi partager une histoire que mon enfant Elias, lui, aime bien. et On va la trouver dans 12e roi, le chapitre 6. Ça, c'est pour dire, des fois, on se pose la question... On n'est pas assez puissant, on n'est pas un gros nombre. Puis on dit, pourquoi est-ce que ça arrive? Mais je vous dis, inquiétez pas pour le grand nombre. Oui, on va va pas beaucoup. Et ça peut être que ça va rester comme ça. Mais il faut nous rappeler qu'on n'est pas tout seul. Et on va lire cette histoire pour apprendre et pour nous rappeler. Je sais que vous les connaissez déjà, mais je voulais les partager avec vous ce matin. Parce que des fois, on ne prend pas le temps de réfléchir profondément à ça puis de prendre cette histoire pas simplement pour quelque chose de nous entretenir un petit peu ou à nos enfants. Pardon, c'est le douzième roi. Je vous ai dit mal, c'est le roi, chapitre 6. Ça, c'est une histoire qui se passe dans le temps Élie avait déjà monté au ciel. Puis le roi de Syrie, il était en guerre toujours avec le roi d'Israël. et Il faisait des stratégies pour aller combattre Israël. Mais ça commençait à tomber une chose bizarre dans son armée. Chaque fois qu'il essayait d'aller le battre, l'armée d'Israël, il avait déjà parti. Il trouvait pas de personne. Et on va lire ça dans le verset 11. Ça dit, le roi de Syrie a eu le cœur agité. Et il appelait ses serviteurs et leur dit. Ne voulez-vous pas vous me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Voulez-vous pas me dire c'est quoi le trahideur? Puis l'un de ses serviteurs qui lui répond Personne, monseigneur, personne, au oh roi. Dans le verset 12, on va lire L'un de ses serviteurs répondit Personne, au oh roi, monseigneur, mais lisez le prophète qui est en Israël, rapport au roi d'Israël, les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher dans les lieux plus secrets. Ah, le roi dit, ce petit misérable prophète, on va les prendre et on va les tuer. Il dit, allez, le roi dit, allez, envoyez les où oui, elle et je les ferai prendre. On vient lui dire, voici, lui est en Mais ce que le roi a fait. Oui, il a, il a, il a envoyé toute une armée pour prendre juste un petit prophète qui n'avait peut-être même pas, peut pas une épée à la maison. Puis ça arrive le suivant les serviteurs de l'homme de Dieu se lèvent de bon matin et sortent, et voici une troupe entouré la ville. Avec des chevaux et des charles, et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah, mon Seigneur, que ferons-nous Laisse-moi peut-être dramatiser un petit peu, on laisse cette histoire, bon libre, c'est bon, mais imagine-toi que tu es un missionnaire, et tu commences à voir que ça ne va être pas être des chars de l'époque, ça va être des de chars de guerre d'aujourd'hui, puissants, de. Centenaires de tonnes, peut-être, avec des puissants missiles et de toutes sortes de drones. Tu ne peux pas t'échapper à ça. Il n'y avait pas un, il y avait plusieurs. Peut-être ça pourrait avoir une centaine ou même plus. Imagine-toi que tu es entouré d'une centaine de tanks de guerre. Ces tanks qu'on connaît aujourd'hui qui sont assez puissants pour, pour battre un avion, pour frapper un édifice et dans un instant les pulvériser et c'est fini. Imagine-toi ça. Mais vous savez, Élisée, il avait demandé à Élie avant de partir, donne-moi une deux portions de ton esprit. Et Élie lui a dit, Vous avez demandé un chose difficile. Si vous arrivez à me voir quand je vais enlever au ciel, ça vous sera accordé. Et ça a été arrivé. Parce que nous pouvons lire dans le verset suivant Il a répondu, Ne crions point, car ceux qui sont avec nous, sont plus grands noms que ceux qui sont avec eux. Ah, mes frères et mes sœurs, on doit apprendre à avoir confiance à cette promesse. On a des anges puissants à notre côté. Mais il faut avoir la foi. Mais il faut aussi avoir une vie en accord pour que les anges puissent venir nous secourir. On croit que la terre est proche, que la fin est proche. Et qu'il va des miracles qui vont passer avec les jeunes, avec les enfants, avec les veillards, avec tout le monde. Mais on doit se préparer, mes frères. Mais on doit croire fidèlement. On doit croire qu'il y a des anges à nos côtés. Mais on doit savoir que les anges, ils vont voir notre bonne vie et la mauvaise vie si nous la aussi. C'est pour ça qu'on doit être sincère, on doit être transparent, on doit être honnête, on doit être, être fidèle. J'aime bien le verset 17, il s'a dit. Élisée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourant autour d'Élisée. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Cette même, promesse, cette même promesse est pour toi et pour moi. Le Seigneur, il est puissant. Il est capable d'envoyer toute une armée pour neutraliser même l'armée plus puissante au monde pour vous protéger pour vous protéger, si vous êtes en train d accomplir la mission de Dieu. Vous savez, Élisée, il, il était un homme de Dieu, il a accompli sa mission, il, il a parlé à Israël de se repentir et de revenir à Dieu, c'est pour ça que Dieu l'a protégé, il a fait beaucoup de miracles, et des miracles puissants. Des fois, on est étonné de la technologie, mais je vous dis, un chavot et un char de feu que vous réaliser ça peut être plus puissant que tout. Tous los chars de combate que hay en sur la Tierra. Porque eso es la puissance de Dios. Eso es una puissant ilimitada. Eso es una puissant que es capaz de, de hacer euh, troubler la machine la plus puissante y la laisser complètement inutile, et inservible. Mes, mes frères y mis sœurs, croyons en Dios. Croyons en sus promesas. y rappelons-nous que Dios a racheté nuestra paix y eso a coûté un poids infini. Dans le temps que me reste, je voulais juste partager une citation de le livre Jésus-Christ qui nous fait rappeler un petit peu ce quoi que Dieu a souffert, souffert dans la croix pour nous. Il souffrait aussi tellement de tentations que des fois on l'oublie. et C'est pour ça que c'est important que nous essayons de nous rappeler parce que Dieu a racheté la paix pour nous, il est pris qu'il a payé, était infini, parce que lui était le Dieu infini, le Dieu tout-puissant, puis il a permis de mourir pour nous à la croix. Il y avait des gens qui disaient à Jésus Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et on va croire en toi. Qu'il se sauve lui-même, si est le Christ, le élu de Dieu. Vous savez, ça a été la même tentation. Parce que, au désert, Satan avait dit la même chose à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, or que ces pierres deviennent pain. Ça a été la même tentation, et des fois on lit ça et on pense que ça ne pas quelque chose de pas compliqué. Mais oui, ça a été une tentation dure pour Jésus, parce que lui était Dieu. Il avait le pouvoir de le faire. Il pouvait descendre de la croix. Il pouvait avoir toute une démonstration de puissance, mais ça n'était pas sa mission. Mais sa souffrance, ça a été dur, plus que nous pouvons l'imaginer. De haut du fait de temps, Satan et ses saints se tiennent sur fort humain, près de la croix. L'armée des rebelles offre sa collaboration au père et au principal, sa, au, au sacerdote et, et tous les dirigeants d'Israël. Au docteur de la loi, et ont poussé à la foule ignorante à prononcer un jugement contre lui que plusieurs n'ont jamais vu auparavant. Ça a été dur pour Jésus rester sur la croix, se laissant agoniser jusqu'à l'amour. Mais ce qui a tué Jésus, ça c'est la souffrance, ça c'est la punition que Dieu doit faire au pécheur final. Mais il a payé pour, pour tous ceux qui croient en lui et qui voulaient vraiment demander pardon. Dieu a, payé un prix, Dieu a payé un prix infini pour notre liberté. Dieu a payé avec la souffrance, avec la douleur. Et ça, c'est juste l'amour qui l'a poussé à faire ça. Parce que vous savez, Dieu était libre. Dieu voulait, depuis le début, détruire l'ennemi. Mais il l'a pas fait. Il a laissé le conflit. Mes frères et mes sœurs, on est proche de la fin de ce conflit. Et l'invitation, c'est que nous pouvons rester fidèles à cette promesse que Dieu nous fait, que cet appel que Dieu nous fait de rester fidèles à Dieu, que nous pouvons l'apprendre, que nous pouvons l'accepter et que nous pouvons choisir avec Dieu les bons choix, les bons chemins. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, on te remercie pour ta parole et c'est ça qu'on vient demander devant toi. Fortifiez notre foi. Aïe-nous, Seigneur, avant le péché. Aïe-nous avoir cet espoir que tu nous donnes. Merci pour ce sacrifice aussi merveilleux que vous avez fait pour chacun de nous. Aïe-nous à ne pas le rejeter. Accorde-nous cette grâce pour avoir la foi pour prendre du temps pour étudier ta parole et pour laisser notre esprit être guidé par toi et prendre de bonnes décisions. Vendez chacun de nous ici dans cette assemblée et aide-nous s'il vous plaît à rester à tes pieds pour atteindre ta voix et obéir à ta parole. Pardonne-nous péché s'il vous plaît Y ahí no a creer, ainu no, a no tener remordes de que tú le habías ya prometido. Y tú también pagaste un precio tellement. que un puede ser que se ya Tú nos has perdonado. Y podemos tener la seguridad que tenemos la de una nueva vida en no, ti. con continuó conduciendo a Señor, durante duran, de Sabá, pero también durante la nueva semana. Y que no podemos tener una nueva experiencia en ti. Merci Seigneur et nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.